Assalamu alaikum wa barakatuh, ma sœur. Voilà, donc je vous présente un petit peu le cartable avec ce qu'il contient. Ici, vous avez donc le cartable qui est comme une sacoche d'ordinateur, hein, avec un rangement devant, un rangement à l'intérieur, et vous avez donc le compartiment où vous pouvez mettre toutes les cartes, avec bien sûr une bandoulière. Donc ce cartable, il va contenir tout ce qui est poster, donc A3. Il va contenir aussi les cartes en format A6, en format A5, donc les cartes qui sont là. Il va contenir aussi Kalim du comportement. Parmi les posters, donc A3, vous avez donc le rituel qui est là et vous avez les lettres qui ne s'attachent pas à gauche. À part ça, vous allez avoir donc le guide de la maîtresse. Donc pour le moment, ce guide, je l'ai pas, on lui a pas mis encore la reliure, donc il sera relié hein, quand vous allez l'avoir. Et il y aura le grand poster des lettres en format A2. Alors, pour faire plus simple, vous allez avoir donc les lettres de l'alphabet, il y a les 28 lettres, et on en a rajouté une supplémentaire pour la lettre Kef. Elle est dans les deux formats. Donc ça, c'est la leçon de faire connaissance et comment se présenter. Ici, donc je rappelle que c'est les lettres qui ne s'attachent pas. Vous pouvez le couper en deux pour faire juste si vous avez un tableau qui est petit, vous pouvez couper en deux et vous les mettez un au-dessus de l'autre. Après, donc, vous avez tout ce qui est rituel. Ça, on vous l'expliquera au jour de la formation. Vous avez ici, donc, Kalim du comportement, qui se présente comme ça. Il est déjà plastifié et prêt à l'usage. Après, vous avez toutes les cartes que vous voyez ici. Donc là, j'ai mis des tas de 10 pour que vous puissiez les avoir. Il y en a 74 cartes en format A5. Donc, il y a l'image plus le nom. Après, le mot plutôt. Et là, vous avez donc la lettre du jour et ça vous indique dans quel cartable ou quel niveau. Kalim par apprentissage 1, donc on est bien sur le niveau du premier livre. Donc là, pour le Kalim du comportement, je voulais juste vous montrer que vous pouvez faire des choses comme ça pour les enfants, pour accrocher donc les prénoms à ce niveau-là, par rapport donc au comportement. Tout ça, on vous l'expliquera le jour de la formation. Aussi, donc vous voyez qu'il y a un livret d'activité. Ce livret d'activité vous sera envoyé PDF. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est toutes les activités nominatives, hein, toutes les activités, une par une. Je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. Donc, il faudra un porte-vue. Bah, par exemple, là, on a fait décoration des animaux avec plein de petites choses. C'est la dernière activité qu'on a fait. Je vais vous montrer d'autres activités, si je peux. Alors, par exemple, là, c'était le coloriage de la lettre LEM. Donc, tout ça, vous allez avoir en PDF. Il faudra imprimer pour vos élèves. Là, vous avez donc des photos pour les enfants, un exercice des lettres, un autre pour le coloriage, un autre avec donc du collage hein, qu'on va coller. Ici, c'est pareil, c'est ce qu'il faut découper, coller. Voilà, donc c'est des exercices comme ça. Bien sûr, là, c'est de la pâte à modeler qu'il faudra acheter. Donc, en gros, donc les cartes sont cartonnées, elles ne sont pas plastifiées. Il faudra donc les plastifier comme dans l'exemple que vous voyez ici. Je ne sais pas si c'est visible. Donc on vous a plastifié pour que vous puissiez avoir une idée. Donc ça permet de protéger les cartes. Et après, il faudra encore investir dans ce qu'on appelle de l'aimant. De l'aimant, donc c'est des rubans adhésifs magnétiques, ce que vous voyez derrière nos cartes. Donc c'est du ruban adhésif, c'est comme du scotch, mais sauf qu'il est aimanté. Ça, il faudra vous en procurer, il y en a un petit peu partout. Vous pouvez en trouver en commerce. Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, papier. Après, je vous ai dit que vous allez avoir du format numérique. Donc par exemple, je vous ai dit que vous allez avoir du format numérique. Donc par exemple, ça, c'est, on va dire, c'est tout ce qui est jeu. Alors, tout ce que vous allez utiliser comme support supplémentaire. Par exemple, cette fleur, vous voyez comment elle est faite. Donc là, avec du scratch, scratché ici, avec une attache parisienne. Et bien sûr, l'aimant qu'il ne faudra pas oublier. Donc, cette fleur, on vous envoie le patron. C'est-à-dire, on vous envoie un PDF avec tout le patron, avec toutes les lettres. Hein, pas uniquement, par exemple, le B, mais vous aurez toutes les lettres. Il faudra juste vous faites votre impression, vous découpez, vous faites la plastification, vous rajoutez donc les scratchs et l'attache parisienne pour cet exemple-là. Après, on peut vous envoyer aussi, enfin, on va vous envoyer aussi
Donc les voyelles qu'il faudra imprimer bien sûr pour les jeux. Donc c'est des voyelles qui se présentent comme ça. Et ça, c'est des petites baguettes. Vous pouvez acheter des petites baguettes dans les commerces. Vous pouvez trouver. Après, vous les collez avec de la colle chaude ou autre. Double adhésif aussi, ça peut marcher. On va vous envoyer aussi cet exercice. Donc c'est un clown, une tête de clown, avec donc tout ça, les supports supplémentaires qu'il faudra venir bien sûr plastifier et rajouter les scratchs pour que les enfants puissent scratcher par-dessus. D'accord? Donc tout ça, c'est des exemples de ce qu'on va vous envoyer en PDF. Il y a d'autres supports comme ici par exemple, si je prends cet exemple là, ici donc c'est pareil, hein, c'est une attache parisienne avec donc un support supplémentaire qui vient cacher. Donc ça, il faudra juste l'imprimer, cacher pour mettre donc en évidence les insectes qui sont bien sûr décollables. Et on pourra changer hein, avec un autre insecte. Et il y a d'autres choses, hein, d'autres choses. À chaque niveau, vous avez des jeux supplémentaires. Ici, par exemple, donc nous, on peut vous envoyer donc cette image-là, ou sinon celle-ci. Ça, c'était amusant pour les enfants, où il fallait faire le monstre le plus horrible. Hein. Donc, en utilisant, bien sûr, les supports qui sont les yeux, les oreilles, etc. Donc, c'est une manière pour leur faire apprendre. Ici, donc, pareil, pour la leçon des insectes, on a utilisé donc des biscottes, avec à l'intérieur, donc, cette abeille qu'il faudra coller. En tout cas, le jeu, il est bien expliqué dans le délil, dans le guide de la maîtresse. À part ça, on va vous envoyer, donc, comme je vous ai dit, d'autres supports comme ça qu'il faudra imprimer. Donc, il y a tout un dossier numérique qui sera joint à votre... ou envoyé par mail plutôt. Voilà pour ce qui est de la valise. Barakallahu fik. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa barakatuh.